Mesdames et messieurs, notre Église a un sérieux problème. Mais avant de la plupart des gens étaient encore conscients de ce problème, j'ai venu avec une solution. Le problème est que je parle croissance de l'Église. Vous voyez, cette Église a été d'attirer de nouveaux membres en nombre record. Ces chiffres sont à la racine du problème. Dans l'ancien temps, avant que toutes ces personnes se sont présentées, nous avons utilisé pour célébrer des anniversaires de tout le monde et les anniversaires. Tout le monde savait tout le monde des affaires. Mais, maintenant, parce que le grand nombre de personnes assistant à l'Église, plusieurs anniversaires et les anniversaires, sont écoulés sans aucune reconnaissance. Les gens tombent malades et il n'y a personne à prier pour eux. Pourquoi? Il y avait des gens qui sont même allés à l'hôpital. Et personne ne savait qu'ils étaient là jusqu'à ce qu'ils aient été libérés. Eh bien, j'ai fait quelques recherches sur le problème de mon propre chef. Il s'avère que ce problème avec un grand nombre de personnes n'est pas propre à notre Église. Selon un auteur, des problèmes de communication augmentés, comme le carré du nombre de personnes qui communiquent. En d'autres termes, si notre Église se développe à deux fois sa taille, on peut s'attendre à quatre fois, que de nombreux problèmes de communication quatre fois plus nombreux. Mais, ne désespérez pas. J'ai mis au point une solution. Depuis que ce problème est causé par un grand nombre, notre solution doit s'attaquer à ces grands nombres. Si nous devons y retirer de nos bancs, nous allons réduire nos problèmes de communication par un facteur de 4. Cette solution ne laisse qu'une seule question. Sans réponse, que faire de l'espace créé par la suppression des bancs? Heureusement, après beaucoup de considérations, j'ai décidé que nous pourrions installer une machine à pop-corn. Donc, avant de prendre un vote sur la machine à pop-corn, y a-t-il des questions ou des commentaires? Je pense avoir une meilleure solution. Quoi de mieux qu'une machine à pop-corn? Je ne parle pas à une solution pour combler l'espace créé par la suppression des bancs. Eh bien, qu'est-ce que tu racontes là? C'est une façon d'aider les gens de rester en contact, les uns avec les autres et de minimiser les problèmes de communication. Sans banc enlevé? La solution est de petits groupes. Petits groupes? Oui, de petits groupes. Vous voulez dire, comme les études de la Bible? Eh bien, des études bibliques sont quelques-unes des activités de petits groupes. Quoi d'autre est là? Les petits groupes permettent aux gens d'utiliser leurs dons spirituels. Comment? Pour les personnes qui ont le don de l'hospitalité, ils exercent leurs dons spirituels en accueillant le petit groupe. Ceux qui ont le don de la miséricorde peuvent rendre visite aux membres du groupe, qui sont malades ou à l'hôpital. Ceux qui ont le don de la direction peuvent organiser des soirées, des possibilités de service, et à court terme des voyages de mission pour le groupe. Ceux qui ont le don d'enseigner ne peuvent mener une étude de la Bible. L'avantage d'une étude de la Bible en petit groupe, c'est que tout le monde dans le groupe est autorisé à poser des questions que vous ne pouvez généralement pas faire le dimanche matin. Le petit groupe est un moyen idéal pour réduire les problèmes de communication. Oui, mais peut-il battre un facteur de 4? Quel est le facteur d'un petit groupe d'une dizaine de rapport à la taille de toute l'Église? Je vais devoir vous revenir sur cette question. Même en l'absence d'une calculatrice, il semble clair que les petits groupes aideraient la croissance de l'Église plus petite, car elle grandit. Vous ne pensez pas? Eh bien, oui, c'est vrai. Mais... Eh bien, quelle est votre hésitation? J'ai déjà mis un dépôt sur une machine à pop-corn. J'espère bien que je peux récupérer mon dépôt de retour. Basé sur une pièce de Bob Tuna. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.